Ça marche. Je te l'ai dit, je le voyais à travers les murs. Hein? Arrête ton char, tu l'as entendu marcher. Non, 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 tu sais que je suis sourd d'une oreille. Tu te souviens de ça, Apollo? Ouais, le joueur de trombone. Ouais, le joueur de trombone, mon chou. Enfin, maintenant qu'Eddie est arrivé, il va pouvoir nous mettre d'accord. Tout à fait. Mais c'est notre invité, on doit être poli. T'inquiète, ça c'est de la super bonne. C'est un joint du troisième œil. Avec ça, tu vois à travers les murs de la perception. En fait, il te faut ça en plus pour sentir l'effet.
d'avoir fui ça. Moi aussi, malheureusement. Oh la vache! Comment t'as... Comment c'est... Oh, c'est plus dégueu que ce que je croyais. Et on a vu que 30 secondes. C'est pire après. Ah, mais j'ai... Je vois que ma petite concoction a eu de l'effet. Notre concoction? La nôtre. Vous m'avez drogué. On t'a proposé et... T'as dit oui. Ouais, et puis t'es encore entier que je sache. Y'en a mort d'hommes. En plus, maintenant, t'as la recette. Ouais, comme ça, tu pourras profiter de ses effets dès que t'en auras envie. Comme un super pouvoir. Exactement. Et on en a un paquet en stock. Reviens nous voir la prochaine fois que tu voudras t'envoyer en l'air. Ok. En attendant... Un petit... Jay, mon fils, je me disais justement qu'on devrait joindre nos forces, toi et moi. Et la Providence a répondu à mes attentes. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. C'est dans les psaumes. Ou bien, fais ce qu'un soldat sait faire. Même si pour cela, tu dois venir dans un pays d'impie comme celui-ci. Nous autres soldats, nous protégeons notre peuple par notre volonté de tuer. Et que nous faut-il pour parvenir à nos fins? La foi. Des flingues, AJ, plein! Sans flingues, comment pourrait-on passer la mer de la détresse et calmer les eaux déchaînées? Aide-moi, AJ, et le Sentier d'Or pourra recevoir ses armes. Ok. Dieu soit loué. Les écailles lui sont enfin tombées des yeux. Une cargaison devait franchir les montagnes en hélicoptère, mais il s'est crashé. Tiens, tu prends ce détecteur et tu récupères la cargaison avant l'armée royale. Le Seigneur te fournira un moyen de transport. Marché conclu. Amen. Amen. Allez, va! File! File, AJ! Depuis comment cette guerre a commencé, ni pourquoi, je voudrais juste qu'elle finisse. Longinus! Le détecteur que vous m'avez donné me dit que j'approche de ce que vous voulez que je trouve. C'est une très bonne nouvelle, AJ. Mais sois prudent sur le site du crash. L'armée royale a dû envoyer des hommes récupérer la cargaison de l'hélico pour eux. Attaque-les s'il le faut. Faufile-toi comme un voleur dans la nuit. Thank you.
Avec quoi là? Yeah.
Une boîte étonnamment petite, comme tu m'as demandé. Je croyais que ce serait une cargaison d'armes pour le Sentier d'Or. J'y suis allé pour ça. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Ils te mentent, le sais-tu? On appelle ça le cycle de la vie, mais elle est construite sur des crânes et des os. Tu manges ou tu te fais manger. Pour les animaux, c'est la survie. Les humains appellent ça le business. Oh, c'était... Du business, EJ. Un business horrible. J'ai été sauvé par une balle. Dans la tête. Elle a tué mon ancien moi. Cet homme terrible, un homme que tu aurais appelé un seigneur de guerre. Mais cette balle a fait un trou dans mon crâne qui a permis à la lumière de Dieu d'y entrer. Et j'ai été baptisé par les eaux des chutes de Goka. Bon, ok. Et ces diamants? Lévitique 17:11. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Ce sont des vestiges de mes transgressions passées.
Chaque diamant est un péché. Et ses mains en ont commis beaucoup. Et les armes pour le Sentier d'Or? Ils les auront. Et même mieux. Va, dis à Amita et à Sabal qu'ils pourront avoir leurs armes. Et ça les intéressera peut-être de savoir que Doppler se prépare à livrer une cargaison d'opium à l'ancienne fabrique de thé. De l'opium? Un autre business horrible, EJ. Allez, va! Et dis-leur! Et une fois que ce sera fait, reviens me voir! Car le Seigneur est toujours à l'œuvre! Amita. EJ, Longinus dit que c'est de ta part. Merci. Merci, mon frère. Mais il a aussi dit que l'opium de la fabrique de thé était prêt à partir. Il faut qu'on détruise ce poison. Le détruire? Tu plaisantes? Il faut sécuriser la cargaison et les champs. Amita, on en a déjà parlé. On ne va pas passer de Pagan Mine à Pablo Escobar. Sabal, on n'a aucune ressource naturelle. Une fois libre, on fait quoi? Les mines sont vides, les champs incultivables, pour des années. Tu veux offrir quel avenir aux pirates? Certainement pas ça, hors de question, ou alors tu es à mettre dans le même sac que Pagan. C'est une faillite morale. Je préfère ça à une faillite tout court. Pirate ne survivra pas si sa balle s'accroche au passé. Va à la vieille fabrique de thé. Protège ses champs. Faire appel à nos services de placement ?
récompense. C'est au camp de travail des esprits lumineux. Aucune expérience n'est requise et tous les postulants sont les bienvenus. Une embauche à long terme est encouragée. Que la lumière de Pagan vous inonde. À la fabrique de thé. Super, AJ. Ces champs d'opium sont l'avenir du Kirat. Je les veux, et pour ça, je vais avoir besoin de ton aide. Débarrasse-toi de l'armée, et protège les pavots à tout prix. Et sois prudent. J'ai encore besoin de toi après ça. C'est un miracle qu'il n'y ait pas plus de...
Amita, c'est fait. Excellent, EJ, excellent. Merci. Mais je connais Paul. Il n'abandonnera pas les champs de pavots. J'envoie des hommes pour t'aider. Tiens bon jusqu'à leur arrivée. On se dirige vers vous! Amita nous envoie pour t'aider. Des soldats approchent. Soyez prêts. Des soldats au sud! Oh!
J'aimerais pas. Ils vont arriver par l'est. Plus vite! Plus vite! Amita va pouvoir cracher sur notre héritage. Le Kirat ne s'arrête pas au peuple. Ce sont aussi nos terres. Si tu les empoisonnes, tu empoisonnes ce pourquoi ton père se battait. J'ai le cœur qui va éclater. J'ai bien cru qu'on était foutus. Thank you.
Je pense que tu n'imagines pas ce que ces champs représentent pour l'avenir du Kirat. Des vivres, des armes, des munitions, des véhicules, tout ce qu'il faut au Sentier d'Or pour s'attaquer à Pagan Min. J'étais pas sûre de toi. La première fois, à Banapur, je t'ai pris pour le pantin de Sabal. Mais c'est pas le cas, pas vrai? Maintenant, je sais de quoi tu es capable. J'ai vu ce que tu as fait. Tu n'as pas vu le Kirat avant la guerre. J'avais 6 ans quand mes parents m'ont dit qui je devais épouser. 6 ans. C'est ça le monde dont rêve Sabal. Ce qu'il veut, c'est nous faire revenir au Moyen-Âge. Mais toi et moi, on rêve d'autre chose. Et maintenant, j'aurai besoin de ton aide pour protéger les statues de Kira. Paul cherche à les détruire. Son objectif est de monter le peuple contre le Sentier d'Or. J'en suis. EJ. Pour moi, c'est important d'avoir ton soutien. Première. On n'a plus le temps. Ouvrez vos oreilles.
Stop!
Amita, c'est fait. C'est génial. Mais je vais avoir besoin que tu fasses une dernière chose, AJ. Je sais que j'abuse un peu, après tout ce que tu as déjà fait. Mais je veux que tu trouves un moyen de bloquer le chemin qui mène jusqu'au statut. Hein? Pourquoi? Parce que Sabal aurait besoin d'hommes pour le protéger. On est en guerre. Le sentier d'or a d'autres problèmes. Parler à la radio. S'il te plaît, viens me voir à Shanat. Une énorme fête d'adieu en son honneur chez lui. Il sera vulnérable. Il aime faire venir sa viande d'un village pas loin. C'est comme ça que tu entreras. Quand tu seras là-bas, faufile-toi dans la salle d'interrogatoire. Il sera moins sur ses gardes. Thank you.
Ejay, tu as trouvé ma famille? Pas encore, mais j'y arriverai bientôt. Oh, d'accord. Écoute, tu dois entrer discrètement. C'est important. Paul est un rat et les rats quittent toujours un navire qui coule. Il ne doit se douter de rien jusqu'à la fin. Et n'oublie pas, Ejay. Il donne une fête, alors trouve où il prend ses victimes et infiltre-toi avec eux. C'est très dangereux, Ejay. On le veut vivant pour lui faire payer ses crimes, mais... sois prudent. Et Ejay, si tu peux, prends des photos de ces salles d'interrogatoire. Ça nous aidera beaucoup, si on veut convaincre les gens que c'est un monstre. Mais reste discret. Ne te fais pas repérer, ni capturer. Habita, j'ai les photos. Paul est complètement taré. Oui, je me doute, Ejay. Le seul côté positif, c'est qu'on va pouvoir les utiliser pour détruire les mensonges de Pagan. Ne passe pas plus de temps que nécessaire dans cet endroit, d'accord? Oh.
Allez, va-t'en. Génial! C'est bien, tu vas bientôt aller te coucher, ma chérie. Tu t'es brossé les dents pendant au moins 10 secondes. C'est bien, ma fille. Tu feras un gros bisou à ta maman pour moi. Tu sais qu'elle se sent seule quand je ne suis pas là. Et c'est toi la maîtresse de maison. Bien sûr, mais papa doit aller travailler et un cadeau? Bien sûr, Trésor, qu'est-ce que tu veux? Une bague? Oh non, non, je n'ai rien vu de vraiment bien pour toi, ma chérie. Désolé, tu veux pas autre chose? Un collier. Oh, un collier en or? Eh bien, tu sais, je vois exactement ce qu'il te faut. Oui, bien sûr qu'il brille. Bon, écoute, papa doit travailler, d'accord? Alors je vais y aller. Oui, je t'aime aussi. Oui, bisous, bisous, dors bien et fais de beaux rêves. Je m'excuse pour tout ça. Ma fille, t'es venue à l'heure et moi, je t'ai fait attendre. Je ne voulais pas te manquer de respect. Toi.
Vivant? Si tu l'avais tué, je t'en aurais pas voulu. Ouais, je suis en vie, bouffeur de curry de merde. Montrez-lui son nouveau chez lui. Qui a fait ça? Putain de sauvage! Laissez-moi! Attendez, c'est mon téléphone! Et Jay, c'est mon téléphone dans ma poche arrière! J'ai besoin de mon téléphone, mec! Et Jay, s'il te plaît! S'il te plaît, j'ai besoin de mon téléphone! Lâchez-moi, bande d'enculeur de singe! Ashley! Ashley, chérie, papa est là! Merci, AJ. T'as vraiment fait le bon choix. On va s'occuper de Paul. On a un coin parfait pour lui. AJ. Maintenant que Paul n'est plus là, sa forteresse de Varshakot est vulnérable. C'est le moment idéal pour préparer un assaut.